Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va causer un peu limaces. Jusqu'ici, j'étais fermement opposé à tous les intrants dans le potager, même s'ils étaient élaborés à partir de produits naturels, ça ne me convenait pas. Il s'est passé quelque chose en ce début de saison qui nous a fait un petit peu revoir notre position. On a subi des attaques répétées de limaces complètement déchaînées, une armée de limaces qui nous ont tout bouffé. Mais alors, au fur et à mesure, on a remplacé autant qu'on a pu. Courgettes, butternut, concombres. Je peux même pas vous montrer. De toute façon, la plupart du temps, il restait rien. C'est-à-dire même pas la tige qui allait jusqu'au sol. Donc aujourd'hui, je pense que le seuil d'intervention est atteint. On ne peut pas continuer comme ça, il y a une position à prendre, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on fait? Les bouteilles en plastique, donc ça ne fonctionne pas. L'année dernière, ça marchait un petit peu, mais cette année, même avec une collerette de terre réalisée à la base de la bouteille, ça ne fonctionne pas du tout. On voyait les plants disparaître sous les cloches de plastique. On s'est livré aussi à une ou deux expéditions punitives avec Séverine et on a ramassé pas mal de limaces sans que ça ne semble, disons, impacter favorablement le potager. Le calendrier aujourd'hui ne me permet plus de ressemer les plantes nécessaires à ces remplacements successifs. J'ai donc dû racheter des plants en jardinerie. Ça m'a fait très mal, pas pour le prix que ça coûte, mais parce que ce sont des plants F1, hein, estampillés F1, je n'avais pas le choix. Et donc maintenant la question se pose, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces plants qu'on vient de réinstaller une ultime fois avec un ultime espoir, j'allais dire. Donc, trois cas de figure. Soit on renonce aux cultures touchées par les limaces dans notre potager et on appauvrit grandement le potager, qui perd de ce fait beaucoup de son intérêt. Soit j'essaie d'obtenir une intervention de la part d'un super-héros quelconque, protecteur du potager. Ça peut Moi, les limaces, je les Soit on essaye d'agir avec d'autres moyens et puis en essayant de rester quand même en accord avec nos convictions. Donc on a décidé d'agir. Le truc, c'est qu'on n'a plus le temps maintenant de tenter des méthodes plus ou moins douces. On est un peu trop avancé déjà en saison pour ça, quoi. Donc je me suis penché un petit peu sur la question du phosphate ferrique et je me suis plongé dans des lectures fort intéressantes qui ont quand même pas mal confirmé ce que j'en savais déjà, notamment à travers la revue phare Phytoma. Dont je rappelle qu'elle est quand même financée par les publicités produites par les firmes. Donc ça reste quand même un discours un petit peu orienté, hein, en tout cas de mon point de vue. Et bien entendu, je me suis penché sur les fiches de données de sécurité de produits contenant du phosphate ferrique, donc le ferramol en particulier, qui en contient environ 10 grammes par kilo. Le reste, c'est en fait une espèce de blé. Enfin voilà, c'est essentiellement une base de blé hein, qui va être traitée ensuite au phosphate ferrique. Et je me suis également intéressé au slux, qui est plutôt réservé aux agriculteurs et qui contient, si je me souviens bien, quelque chose comme 30 grammes de phosphate ferrique par kilo, hein, c'est-à-dire trois fois plus que le bien connu maintenant Ferramol. Alors, le phosphate ferrique, c'est vachement intéressant parce qu'il est présenté comme étant un produit tout à fait inoffensif. Et pourtant, dans le cas du slux, par exemple, on observe un délai de rentrée hein, sur les parcelles traitées de 6 heures. Hein, c'est ce qui est préconisé dans la fiche de données de sécurité. Si c'est inoffensif, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi. Il est également admis que les traitements ne doivent pas avoir lieu à moins de 5 mètres de tout plan d'eau. Permanent ou provisoire. Le ferramol, en tout cas le phosphate ferrique, est très polluant, très dangereux pour les milieux aquatiques. Alors voilà ce qu'on peut trouver dans Phytoma, par exemple. Ce produit présente de faibles toxicités aiguës et chroniques. Alors faible toxicité, c'est pas zéro toxicité, nous sommes d'accord. Et à côté de ça, il respecte les organismes aquatiques. Voilà, donc qu'on m'explique pourquoi il faut respecter donc une zone non traitée entre l'eau et les lieux d'application du produit. Voilà, donc sur ce document relevé sur le centre antipoison animal, on parle du phosphate ferrique
comme d'un produit qui n'est pas anodin, puisqu'il est capable de provoquer des vomissements, diarrhées, voire même des hépatites. Et on dit bien à la fin, s'il s'agit de Ferramol, le risque est moindre par rapport aux deux autres substances qui sont très dangereuses, mais un traitement vétérinaire peut néanmoins être nécessaire. Voilà, encore une fois, on ne peut pas parler vraiment du Ferramol comme d'un produit bio à la lecture de ces documents, hein, bio au sens complètement inoffensif. Ça, je ne peux pas l'admettre. Alors, dans la description de cette vidéo, je vais quand même vous mettre un lien vers un forum sur lequel une discussion très intéressante s'est tenue au sujet du phosphate ferrique. Et l'un des membres de ce forum s'est livré à une expérience pour le moins intéressante, puisqu'il a enfermé deux populations de vers de terre dans deux boîtes différentes, avec de la terre, des déchets végétaux dans chacune des boîtes. Et dans l'une des deux, du ferramol, dans l'autre, rien du tout. Et force est de constater que 43 jours plus tard, les vers étaient toujours vivants et tels qu'ils avaient été déposés au départ. On ne peut pas tirer de conclusions non plus trop hâtives. Il est probable que ces vers ne se soient peut-être pas alimentés en captivité. Bon, on n'est quand même pas dans des conditions qui reproduisent complètement non plus ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Et puis on n'est pas non plus dans un phénomène d'accumulation année après année. Néanmoins, ça a quelque chose de rassurant. 43 jours plus tard, quand même, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on peut quand même doucement considérer. Alors je pense que ce revirement de situation au potager qui dit non va susciter un certain nombre de réactions. On s'est amusé un petit peu à en anticiper certaines d'entre elles. C'était bien la peine de faire l'épisode 20. Hein. Je n'ai pas peur des limaces. Hein. Donc ça n'était que des conneries. Je reste pour ma part convaincu de l'approche présentée dans cette vidéo. Simplement, l'équilibre auquel j'aspire ne me paraît pas aujourd'hui atteignable sur cet espace de 150 mètres carrés en bordure d'un espace plus grand de 7000 mètres carrés sur lequel les limaces sont traitées d'une manière généralisée. De toute façon, c'est autorisé en agriculture biologique. Alors, tout va bien, c'est naturel. Alors autorisé en agriculture biologique, oui, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Hein. Le méthaldéhyde était autorisé en agriculture biologique jusqu'en 2008, puis uniquement en conventionnel et plus en agriculture biologique. En 2011, il a fini par être interdit complètement. C'est pas par hasard, quoi. Hein. Le méthiocarbe, quant à lui, est encore utilisé aujourd'hui, mais plus dans les mollusticides. Il doit être employé à d'autres usages. Il a raison. En plus, ça devient de l'engrais en se dégradant dans le sol. Oui, alors il est vrai que le phosphate ferrique se dégrade et va produire des ions phosphate d'un côté et des ions ferriques d'un autre côté. Il se trouve que ces concentrations d'ions sont très 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 infimes par rapport à ce qu'on trouve déjà à l'état naturel dans le sol. Environ 1000 fois moins pour les ions phosphate que ce qu'on trouve déjà dans le sol avant l'application du phosphate ferrique et 10 000 fois moins pour les ions ferriques. Je vois pas comment on peut considérer ça comme un engrais. Et les auxiliaires là-dedans? Évidemment, j'ai beaucoup compté sur les auxiliaires. Le jardin ne comporte pas de points d'eau ouverts, hein, donc il n'y a pas de mare, par exemple, pour assurer la reproduction des crapauds. Je n'ai jamais rencontré un crapaud sur le potager. Le jardin est par ailleurs clôturé, de manière à éviter les dégâts provoqués par les lapins, hein, qui viendraient des champs voisins. Et donc, les hérissons eux-mêmes sont incapables de pénétrer dans le jardin. Donc finalement, les choses sont assez simples, hein. Tout est question de contexte. Dans le contexte qui était le nôtre l'année dernière, ça fonctionnait encore. Le potager s'installe de mieux en mieux. Les limaces s'y installent de mieux en mieux également. C'est tout à fait logique. Et dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, en vertu de ce que je viens d'évoquer, il nous paraît difficile de continuer sans ce petit coup de main du phosphate ferrique. Alors je vous dis vraiment, j'ai eu du mal à lâcher les granulés par terre. Hein. Ça a été compliqué pour moi. Mais bon, voilà, je l'ai fait avec parcimonie, uniquement autour des cultures sensibles. Et bien évidemment, ces apports seront déterminés dans le temps également.
En fait, le potager, c'est une pratique dynamique en ce qui nous concerne. On n'hésite pas à remettre en question eh bien, notre approche de manière permanente et on essaye de, disons, de trouver la moins mauvaise solution à un moment donné. Hein. Mais j'ai quand même conscience de polluer mon sol en appliquant ce phosphate ferrique. Sans doute très peu, mais c'est pas zéro, quoi. Simplement, ça, c'était plus du tout acceptable autrement. Donc, d'ailleurs, on a observé des résultats tout à fait probants dans les, dès le lendemain. Hein. Donc, notre ambition n'est pas d'exterminer les limaces hein, de notre jardin, bien loin de là. On a besoin d'elles par ailleurs, on le sait. Donc, l'idée, c'est pas de se livrer à un génocide sur le peuple limace, hein, pas du tout. Simplement de limiter leur impact quand même sur le potager à des moments clés comme ça, en début de saison notamment. En dehors de ça, je me raccroche à l'idée quand même qu'on prend tellement soin d'un autre côté des petits habitants de notre sol qu'ils seront sans doute en mesure quand même de tolérer, disons, cette légère pollution. Néanmoins, en élargissant un peu ma réflexion au-delà de notre production à proprement parler, il faut savoir quand même qu'on a à peu près 45 espèces de mollusques protégées sur le territoire français. Je ne sais pas combien de ces espèces sont susceptibles de visiter mon potager aujourd'hui, et le phosphate ferrique n'est pas sélectif. Donc potentiellement, je suis effectivement susceptible d'empoisonner certains individus donc de ces espèces protégées. Voilà, c'était donc une décision plutôt difficile à prendre pour nous. On s'est jeté complètement passionnément dans cette histoire de potager depuis un peu plus d'un an maintenant. On n'a pas vraiment envie que ça cesse, hein. On a envie de poursuivre. Mais la vocation de ce potager, c'est pas d'alimenter les limaces du coin, pas du tout, c'est de nous alimenter nous. Et à un moment donné, quand on a étudié un petit peu toutes les solutions possibles et mis en œuvre un certain nombre de choses, il y a des décisions, fussent-elles difficiles à prendre, et c'est ce qu'on a fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis cette fois encore, et je vous dis à très très bientôt au potager qui dit non. Soit j'essaye d'invoquer un quelconque super-héros protecteur du potager. Moi, les limaces, je tape. C'était trop longue. Soit j'essaye d'invoquer une intervention de la part d'un super-héros protecteur du potager. Moi, les limaces, je les tape. Je les tape. C'est bon. C'est bon, voilà, parfait, Séverine.